Ce qui est quand même... ce qui est quand même... Oh, les fourbes! Oh, c'est tellement fourbe! Bienvenue, guys, à Trackmania. J'ai joué énormément au Trackmania Stadium, Trackmania Stadium 2, Trackmania United Nations, etc. J'en ai joué une chier de jeux de Trackmania. Mais celui-ci, c'était un des Trackmania que j'attendais le plus. Puis j'ai vraiment, vraiment, vraiment hâte de rentrer dans le jeu avec vous. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, on va faire une sorte de petite découverte. On va rentrer dans la campagne solo du Summer 2020. Puis on va essayer d'aller chercher quelques petites médailles hauteur, voir un peu qu'est-ce que ça se passe. Le pire, c'est que j'ai vu quelques gameplays sur ce jeu-là, mais en vrai, ça me fait tellement plaisir de jouer maintenant, là. Vous avez même pas idée. J'ai hâte de voir les nouvelles mécaniques également, parce que ça, je les ai jamais expérimentées. Ok. Au moins, j'ai la gold. En vrai, ce que je veux faire, c'est au moins avoir les gold pour toutes les maps. À date, c'est vraiment clean comme jeu, j'aime ça. Si ça vous tente, on pourrait faire une vidéo où ce que je vais chercher juste les platines. Ça pourrait être quelque chose qui pourrait être cool. Puis vu que les tracks sont pas trop longues, premièrement... Oh my god. Oh, ok, nouvelle mécanique. Une sorte de boost, I guess. Ah, j'ai même pas eu la... Wow. Puis si ça vous intéresse, là, n'hésitez pas à liker la vidéo, ça me ferait un énorme plaisir. Puis on va faire ça dans le futur pour... Trackmania, merde. Ouh, ça c'est une belle cote ça. Nice. Ligne droite. Et voilà. Yeah. Oh, la glace, mon gars. Oh non, ça va être horrible. Oh. Wow. Ok, il plaisantait pas avec la glace, mon gars. Ok, un jump. Ah merde. Pas nice. What the f***. Comment je suis supposé faire mieux que ça? What the f***. Ouh, ça c'est un bon start par contre. Oh. Oh! Nice! That's it. Oh! Ok. Propulseur bas. Damn! What is going on? Ok. Sorte de... C'est tout? Ok. J'ai de la misère à comprendre qu'est-ce qui se passe. Ok, on va améliorer notre temps quand même un petit peu, là. Ok. Faut que je pogne ça ici, mais... Propulseur bas. Ok. Nice. Ok. Pour les gens qui sont pas sûrs de comprendre, en fait, le propulseur bas, ce que ça fait, c'est que ça te fait coller à la plateforme carrément, là. Ça donne un peu de côté arcade, en fait, au jeu. Comme ça, c'est quoi? C'est roulable? Ah non, c'est un super boost. Ok, nice. Super turbo, ça, c'est cool aussi. Oh. Ada, ça va bien. Ada, ça va bien. Non! Quelque chose, par contre, une nouveauté aussi qui ont rajouté avec le Trackmania, c'est que si tu fais... Oh non! Ben oui, je suis pas capable de vous le montrer. En fait, quand vous prenez un checkpoint, ça vous reset directement avec la vitesse que vous aviez, ce qui était pas présent dans les anciens Trackmania. Également, ce que je viens de remarquer, c'est que les fantômes, même, j'ai pas fini la piste et j'ai quand même un fantôme qui compétitionne avec moi, donc pour mon ancien temps. Ce qui est quand même... Oh, les fourbes! Oh, c'est tellement fourbe de faire ça! Oh my... Bruh! À mon avis, comment je suis supposé de faire ça, mon gars?
Ah man, je vais vous montrer le checkpoint. Si jamais vous voulez recommencer ou vous pratiquer sur une partie de la piste, vous pouvez juste faire un enter, puis ça va faire exactement la même chose. Donc là, je me suis pris le checkpoint comme il faut, fait qu'on peut l'admirer plusieurs fois là. Directement, peut-être des bugs ou des buffs qu'il faut rajouter, ou par exemple la glace est trop intense ou ces affaires-là. La gueule. Ils ont également évidemment changé les sons des F1. Wow! Ok, concentre-toi, mec! Mon gosh! Oh my god, je suis déjà triggered. Ça fait quelques semaines, mettons, peut-être un mois ou deux, que j'ai pas joué à Trackmania, donc les réflexes que j'ai sont comme partis. Mais là, ils vont venir. C'est juste que faut quand même que je me concentre, faut que je pense à la track. Comme là, faut que j'arrête. Je drift, j'arrête un peu encore. C'est comme tu vois, aussitôt que je commence à y penser, ça marche bien. Je vais aller vraiment slow, je vais voir un peu ce que ça donne. Oh, oh, oh. Oh, oh. Yeah, boys! Ouh, des petits loops, petits loops. Ok, let's go. Je la connais pas encore là. Oh, un petit. C'est un petit. Ok. What, vraiment? J'ai eu une médaille hauteur, mais j'allais pas la chercher pantoute. GG Boys. Je sais pas si vous avez vu la petite loupe. C'est pas une grosse loupe comme on est habitué sur Stadium. C'est une petite loupe. C'était cute quasiment. Oh, ça aussi, c'est un nouveau terrain ça. Ça doit être f***ing weird. Genre, il faut comme. Oh. Faut tailler un peu sur les côtés. Genre, c'est comme embossé sur le milieu. Ah, oh, là, j'ai. Me fourrer dans le. C'est vraiment bizarre comme terrain. C'est vraiment intéressant par contre. J'aime ça. Oh merde. C'est comme normalement dans des coins, tu vas venir chercher ici. Yes. Ok. Là j'allais pas très vite là, mais. On voit le potentiel. Puis là. Et voilà. Pour vrai, Nadeo, ça a toujours été un de mes studios de jeux préférés parce que. Ils ont toujours été proches de leur communauté, ils sont français en plus, tu sais, je veux dire, qu'est-ce que tu veux de mieux? C'est tout le temps du Trackmania, mais c'est tout le temps un plaisir, un univers différent ou quelque chose du genre, moi j'adore. Depuis je me rappelle, en vrai, jouer à Trackmania quand j'étais jeune sur le laptop à mon père, là. Oh, ça c'était pas si pire, ça. Puis là, je freine, je viens prendre le tournant ici. Jump, bitch! Yes, 34. Ok, j'ai la gold. Let's go, boys! Ok. Oh, man, ça ces hosties de maps-là, je les aime tellement pas. Oh, non, non! J'aime pas ces maps-là, mon gars. Non! Go, go, turtle. Ta-da! Got it. En vrai, j'aimerais ça le réessayer, par contre. Tes maps-là, c'est tout à du random et je déteste ça. Oh, là, regarde, j'ai la vitesse. Mais là, je l'ai plus. Je vais le réessayer une dernière fois. Ok, dernière fois. On va essayer une dernière fois. On va voir qu'est-ce que ça donne. Non. Oh, wow! Ah, oh, ça, c'est nice, par contre. Oh, my God, ça, c'est moins nice. Holy shit, c'est dommage dur. Damn! Il y a la terre, first. C'est vraiment insane. On va pas dans le sable. Ça, je sais noter parce que ça ralentit énormément. Mais ça, des coins comme ça, là, c'est tellement cool pour la terre. C'est genre, c'est complètement différent de ce qu'il y avait avant. Oh, my God, c'est nice. J'ai l'impression que la terre est un petit peu moins pire que la terre précédente dans Stadium. Oh, nice. Ça, c'est bon, ça. Ça, c'est très bon, même. Ça, c'est moins bon. Oh. Oh. Ça, c'est nice. Easy peasy, mon chum. On prend Triard une seule en médaille de hauteur, qu'on pourrait avoir un méchant beau score au monde. On va voir si ça...
C'est sûr, si je fais ça, on n'ira pas loin, je pense. J'aime le côté aussi de cartoon qu'ils ont installé, je trouve. Genre, les montagnes qui sont un peu cubiques, genre, je trouve ça vraiment cool. La terre, je pense que je commencerai pas à dire à quel point que c'est nice. Je trouvais pas que c'était la meilleure mécanique dans le jeu. Mais là, ils l'ont amélioré, mais genre, fois 1000. La glace, par contre, je sais pas. Ah! Qu'est-ce que je fais? Ah, faut que j'aille là, pour vrai. Normalement, c'est genre une course de terre, une course de circuit, whatever. Mais là, c'est genre, ils mettent de la terre, du circuit, de la glace, genre, les trois en même temps. Ce qui est vraiment très fourbe. J'aime ça quand ils sont fourbes. Yeah. Ok, ici, la glace. Oh! Ouh, ça va être un temps d'enfer, ça, par contre. Faut pas que je... Go. C'est en avant? Non! Ce que j'aime par contre, c'est les mêmes mécaniques de conduite. Ça fait que c'est pas un jeu qui est inconnu, on dirait. C'est vraiment bizarre, mais c'est vraiment, vraiment, vraiment le fun. Faut que je sois en plein milieu de la track. Oh, ok, ça c'est un beau jump par contre. I'm dying inside. Fuck that, je vais faire l'autre piste là, je t'ai carré. Ok, là il y a beaucoup de mécaniques là. J'arriverai probablement pas à vous les expliquer toutes, mais je vais vous l'expliquer juste après. Oh my god! Oh, ça va tellement vite. Ça, j'adore ça. Insane map. Pour vrai, vraiment nice comme map. Ok, je vais essayer de vous expliquer un peu les mécaniques. Il y a un super jump, un super turbo, puis un ralenti au début. Donc là, il y a une réinitialisation qui enlève tous les effets, puis que je me foire dans le mur après. Il y a aussi de la terre, comme il y a des wall rides en terre maintenant, ça c'est insane. Je savais même pas que ça allait être quelque chose qu'il allait faire. Ça te garde vers le bas, je crois, le truc rose. J'ai-tu l'or là, anyway, au pire on va continuer, je pense, parce que... Je pourrais avoir beaucoup de passion à essayer d'avoir la médaille d'auteur là, fait que je pense que je vais juste continuer avec les autres maps. Ça c'est propulseur bas. Ok, fait que ça te garde sur la surface que t'es. Ça c'est tellement nice. Oh! On va aller là. Ah, man, ça, je savais pas où est-ce qu'il fallait que j'aille. Ah non, dans le sable. Pas dans le sable, au moins. Boost? Non, propulseur. Pourquoi? Parce que pour les gens qui le savent pas, justement, j'ai arrêté... j'ai fini l'école, plutôt. Puis, j'ai pris une petite pause pour, grinder YouTube, puis juste avoir du fun, vraiment, avant de commencer dans mon milieu de travail. Et si jamais, par exemple, YouTube m'apporte quelque chose, ben, ça pourrait peut-être débloquer sur quelque chose, ça pourrait être cool. Pour l'instant, c'est juste le fun, vraiment. J'ai beaucoup trop de fun à faire des vidéos pour vous. Puis, m'éclater sur des jeux comme ça, comme Trackmania, man, mon gars, je suis tellement hype. J'adore la nouvelle Formule 1 aussi. J'en ai même pas parlé, mais le fait qu'il y a des petits ailerons qui changent, les roues, ils pitchent du feu puis tout, là. C'est nice. Ok, je vais freiner ici, tiens. Et voilà. Je pense qu'on l'a dans le sac. Et voilà. Je joue avec des laveuses. Oh oh, ça va me faire rager, mon gars. Je veux-tu vraiment faire ça, finalement? Oh mec, je pense que je l'avais vu celle-là. Oh my god. Je pense que je l'avais vu sur le stream de Zerator, ça, justement. Ouais. Ok, celle-là, je m'en rappelle. Je vais la finir juste pour être familiarisé avec ça. Ok, ouais. Elle est pas si dure que ça, en vrai, celle-là. Tiens, 45. J'ai fait une bronze. Comment ça s'appelle? C'est du bobsleigh? Du bobsleigh, je pense que ça s'appelle. Puis de pas... Ouais, pas de faire ça, justement. Eh boy. Bon, ces gants-là, je l'ai bien eu quand même. Là, je vais me prendre... Et voilà. Et voilà, c'est gagné, les amis. Non! Je parlais trop vite. Ok. Ah, j'ai la gold. Je pensais qu'il me l'avait enlevé du nez juste comme ça, là, genre... Whoop! Ah, man, j'ai pas fait celui-là en or. Ça me fait chier. Wow! Ok, j'ai une bonne élan. On se rappelle de l'élan. On se rappelle du fait qu'il faut aller tout droit. On se rappelle qu'on se met au milieu, puis on prie. On prie? On prie. On prie? Oh! Je l'ai peut-être sauvé, là. Yeah, boys! Let's go!
Cool. Ben écoutez, on a fait, dans le fond, la première partie, ou plutôt la moitié du Summer 2020, donc la campagne Summer 2020. J'ai vraiment, vraiment, vraiment apprécié faire cette petite vidéo-là. J'espère également que vous avez bien aimé la regarder. Et puis donc, dans la prochaine épisode, c'est là qu'on va s'attaquer sur des affaires beaucoup plus lourdes. J'espère que vous avez bien aimé la vidéo. Commentez, likez. Merde. La vidéo, elle a arrêté littéralement quand j'étais en train de faire mon outro. Ça veut dire... Genre, arrête ta vidéo, mec. Genre, j'en peux plus. Donc, j'espère vraiment que vous avez bien aimé la vidéo. N'hésitez pas à me dire si vous avez des défis ou des petites affaires à faire sur Trackmania. Et puis, nous, écoutez, on va se retrouver pour une prochaine vidéo. Ciao, tout le monde!